Copé, président de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Au mois de mai dernier, vous vous défiliez avec la manif pour tous. Hier, vous n'y étiez pas et on a entendu dans le journal de 8h que ça avait troublé quelques manifestants qui se demandaient où était l'UMP. Alors pourquoi ne pas y être allé hier Vous savez, j'avais dit euh, euh, en mai dernier lorsque j'avais manifesté, c'était à l'époque pendant la discussion du texte à l'Assemblée que c'était pour ce qui me concernait euh, la dernière fois que je la dernière fois que je manifesterais, mais pour autant que les choses soient très claires, ce qui s'est passé hier est extrêmement important, une nouvelle fois. Le sujet n'est pas ma présence ou non, ce qui compte en réalité, c'est de voir qu'il y a derrière tout ça un très profond malaise dans notre pays par rapport à la question de la famille. Un malaise d'ailleurs que je ne que cesse... Que vous comprenez Mais non seulement je le comprends... Vous soutenez mais les je manifestants d'hier Je ne cesse de le dénoncer. Pourquoi Parce que se multiplient depuis 20 mois, non seulement des ambiguïtés, on ne peut plus choquantes, de la part du gouvernement en particulier sur le fait de savoir si oui ou non la théorie du genre, c'est-à-dire la négation de l'altérité sexuelle, euh, euh, fonde une partie de ces actions, euh, mais aussi les attaques récurrentes euh, à la politique familiale. Je pense à la remise en cause d'innombrables avantages fiscaux. Vous parleriez euh, de familiphobie comme les manifestants hier, familiphobie du gouvernement alors, Je pense que malheureusement ce gouvernement est ému par une idéologie. Euh, on le voit dans de très nombreux documents. Alors, ce qui moi me trouble, euh, évidemment, c'est que je, je, je suis très choqué de voir que le gouvernement est dans le déni de réalité face à l'indignation du pays. Euh, par exemple, et vous parlez de la, la phobie ou pas Vous le reprenez ce terme Enfin, en tout cas, de, de, de mesures qui s'accumulent contre les familles et contre surtout la politique familiale française, qui est un des plus grands succès reconnus en Europe. Vous savez, quand je vois, je, je, je l'ai parce que c'est intéressant. Il y a une convention interministérielle pour l'égalité entre filles et garçons euh, dans le système éducatif 2013-2018 qui a été signée par cinq ministres, c'est pas rien, dont Vincent Payon, euh, Madame Valoubel-Kassem, Stéphane Le Foll, etc. Dans lequel on y lit les savoirs scientifiques issus des recherches sur le genre, euh, les inégalités doivent nourrir les politiques publiques mise en place pour assurer l'égalité effective. Quand vous voyez des, 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 des textes comme ceux-là, ça nous renvoie d'ailleurs au rapport, vous savez, sur l'intégration, il y a mmh. quelques mois que nous avions dénoncé, on comprend... Que l'idéologie est omniprésente dans l'action gouvernementale. Sauf que Najat Vallaud-Belkacem, que vous citez, elle dit, elle dit là, les, que vous citez, elle dit, les manifestants se battent contre des des combats imaginaires. Et ils disent, par exemple, eh ben sur oui. la, la PMA et la GPA. Le gouvernement est très clair. Manuel Valls la redit il y a quelques minutes chez nos confrères d'RTL. Ah oui. Il n'y aura pas d'amendement. Ah oui. le, le gouvernement ne soutiendra pas ah des oui, amendements. Il n'y aura Soto, pas. Vous avez compris que le gouvernement venait d'être pris la main dans le sac. Et c'est pour ça ah qu'ils ils sont dans clairs des... là-dessus. Mais arrêtez. Ça avec... n'a jamais été dans les propos. Pardon, enfin, mais ça n'a jamais été dans les propositions vous de vous François Hollande. la GPA et la PMA, la gestation pour autrui et je suis désolé, j'ai retrouvé là encore euh, un document dans lequel François Hollande, euh, lui-même interrogé euh, sur la question, euh, avait été extrêmement ambigu pendant sa campagne en, en, en avril 2000, euh, 2012. Euh, L'ambiguïté, euh, en... ce n'est pas non plus une affirmation. Euh... On peut dire que l'UMP est ambigu aujourd'hui parce qu'il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui ne manifestent pas, il y a ceux qui disent je soutiens sans y participer. Où est la ligne exactement de l'UMP, Jean-François Copé, je dire, sur ces questions-là la, la ligne de l'UMP, elle est extrêmement simple. Elle consiste à dire arrêtons de toucher au socle de la politique familiale, qui a été depuis des décennies dans un consensus national qui dépassait la droite et la gauche, de dire on doit aider les Françaises et les Français qui veulent fonder une famille, pouvoir le concilier avec leur vie professionnelle par des aides fiscales par la possibilité d'employer des gens qui les aident à domicile, plus une politique familiale qui vise à respecter les convictions de chacun. Bon, de ce point de vue, depuis 20 mois, c'est un démantèlement systématique de tout ce qui a fait un des fondements de la République. Et je voudrais dire, monsieur Est-ce que vous croyez, pardon, le gouvernement, quand il dit il n'y aura pas de GPA, il n'y aura pas de PMA, Manuel Valls s'y engage, bah, la ministre de la Santé s'y engage, vous, bah, vous le croyez, oui bah ou je non Je ne sais pas, madame Bertinotti a dit dans la même phrase qu'il pourrait y avoir un amendement parlementaire. Donc ça prouve quand même quelque part que tout ça n'est pas si clair concernant la PMA. Mais je voudrais aller plus loin, monsieur, monsieur Soto, ce matin. Je suis scandalisé, et je le dis en pesant mes mots, par la manière dont ce gouvernement, Monsieur Valls en est la tête de pont en ce moment, essaye de faire systématiquement le lien avec l'extrême droite. C'est inacceptable. L'UMP, qui est un parti profondément républicain, qui n'a jamais fait d'alliance et n'en fera jamais avec l'extrême droite, qui n'a aucun lien. D'aucune sorte, tandis que la gauche au gouvernement n'est au pouvoir que parce qu'elle a fait une alliance électorale avec l'extrême-gauche. La tentative permanente de M. Valls de vouloir faire croire aux Français et aux médias, qui je dois dire embrayent le pas avec une aisance qui commence à devenir franchement... Euh, antidémocratique, je le Pourquoi dis comme je le pense. Tout simplement parce qu'on doit entendre les deux parties. Pas simplement ah le cas, là, la gauche. Vous êtes là pour vous exprimer Et en, en l'occurrence ce matin. Mais... Oui, mais ça vous y êtes obligé <laughs> par la loi, c'est un coup de chance. Mais je ne vous mets pas en cause personnellement. C'est pas mis à révolver je vous mets ce, ce très matin pour vous inviter Monsieur ce matin. Soto, <laughs> Monsieur Soto, je vous mets très à l'aise. Je ne vous mets en aucun cas en cause personnellement, ça va de soi. Mais je voudrais que l'on arrête euh, de considérer comme... Euh, tout à fait fondé, cette mise en cause et cet amalgame avec l'extrême droite qui n'a rien à voir. Et vous dites médias antidémocratiques. La semaine dernière, il y avait jour de colère. Vous dites médias antidémocratiques, Jean-François Copé? Écoutez-moi. C'était des slogans. Attendez, arrêtez d'écouter votre oreillette. Écoutez-moi. J'écoute pas oui, mon oui. oreillette. Attendez. La question, elle est, la <laughs> la question elle est la suivante. La question elle est la suivante. La semaine dernière, il y a eu des manifestations à caractère antisémite et raciste mmh. scandaleuses. Je les ai condamnées, condamnées, comme tous mes collègues et amis de l'UMP, ce qui était normal. Je note d'ailleurs qu'à l'heure où nous nous parlons, je n'ai aucune information sur savoir s'il y a eu ou non des arrestations euh, euh, face à ces, à ces actes euh, et comportements racistes et antisémites. Bien, hier, rien à voir avec tout cela rien monsieur Valls qui a, a fait une personne n'a fait le lien sur fait fait interview hier matin chez un de vos mmh. confrères dans lequel il a osé osé expliquer que nous étions dans le climat des années 30 alors que ça n'a rien à voir avec les années 30, au point d'ailleurs que ceux qui l'interrogeaient ne lui ont même pas parlé de son bilan catastrophique en matière d'insécurité, ce qui est quand même un comble. On lui pose aucune question là-dessus et on ah le laisse. C'était pas le thème de l'interview en l'occurrence. Oh bah on ne peut pas on tout faire pas... à chaque fois. Là, ah oui. c'était sur les manifestations. D'accord. C'est dommage parce que les résultats en question, très mauvais en matière de délinquance, c'était juste deux jours avant. Vous dit matière... qu qu'il bon. est ivre de lui-même, Manuel Valls, comme Florian Philippot l'a dit hier euh, sur Europe 1. Non. En fait que son est comportement pas... est éminemment inquiétant, je... qu'il veut créer des tensions. Vous reconnaissez là-dedans? Suis... Mais pourquoi vous me posez la question par rapport à un leader d'extrême droite avec lequel je n'ai aucun lien? C'est pas mon sujet. Je, je dis moi-même. vous êtes très critique avec Manuel v, oui, que... mais comme, comme beaucoup d'autres, pas, ouais. pas beaucoup d'autres. Donc je vous dis, très simplement, qu'il est inadmissible que le ministre de l'Intérieur de ce gouvernement ose mélanger avec l'atmosphère des années 30 qui était une atmosphère épouvantable où c'était des centaines de milliers de gens qui appartenaient à des ligues. Euh, extrémistes qui voulait renverser la République. Nous ne sommes pas du tout dans ce contexte. Nous sommes là dans un gouvernement qui est défaillant en matière économique, défaillant en matière de lutte contre l'insécurité. Est-ce qu'il est encore légitime aujourd'hui ce en gouvernement en matière de lutte contre l'immigration clandestine et qui toutes les semaines nous invente des nouveaux sujets qui viennent déstabiliser la société française Est-ce qu'il est encore légitime ce gouvernement aujourd'hui et le président ce de la République euh, Ce président, le président de la République est élu au suffrage universel. Le problème n'est pas sa légitimité. Le problème, ce sont ses résultats qui sont catastrophiques. Parce que pendant que nous parlons de tous ces Sujets. Ben la sont... légitimité, pardon d'y revenir, mais euh, quand même, la semaine dernière, vous demandiez la, la démission de Michel Sapin après les, les mauvais chiffres sur le chômage. Euh, mardi, le député UMP Guillaume Larrivé à l'Assemblée a contesté la légitimité, la légitimité de François Hollande en expliquant qu'il avait été élu par défaut. C'est pas mettre de l'eau au et moulin, bah, ça. Moi, de... Je trouve que l'émotion est vive pour pas grand chose. Quand je vois la manière dont Nicolas Sarkozy et beaucoup d'entre nous avons été copieusement insultés pendant 5 ans, y a, là, il n'y a pas d'insulte, il y a simplement euh, le fait de dire attention, ce gouvernement est totalement coupé de la réalité du pays et ne se rend pas compte de la colère des Françaises et des Français face à tout cela. Nous, la, nous attendons ce gouvernement sur le chômage, sur l'insécurité et nous le trouvons sur des textes, des intentions et des politiques qui viennent inquiéter les familles au lieu de rassurer les Français. Je voudrais dire une dernière chose. Vous m'interrogiez tout à l'heure à propos de, de même notre participation aux manifestations. Mmh. Je voudrais dire que la prochaine grande manifestation, ça s'appelle l'élection municipale. Ça doit être l'occasion pour les Français de dire stop à François Hollande. Non pas en votant pour les extrêmes, parce que ce sera encore un coup de main pour eux. Non pas en votant pour le Parti socialiste, ce sera un coup de main pour la gauche. Mais en votant pour nos candidats de l'UMP dans toutes les villes. Ce sera un vrai désaveu. Vous, voyez, pour pouvez, François vous, Hollande. vous, exprimer, vous pouvez même faire votre campagne électorale sur un repas ce matin. Dernière question, rapidement, vraiment. Hier, dans le grand rendez-vous, Henri aurait Mais Monsieur Soto, je regrette que vous banalisiez un peu ça. C'est pas une campagne électorale. La campagne électorale, elle est au sens noble du terme. Elle est de dire aux Français, vous avez, depuis 20 mois, pour la oui. première Alors, fois attendez, de voter et donc de vous exprimer. Oui. Il y a un moment où il faut que chacun le comprenne. Mais c'est ce que vous faites et vous exprimez très librement. Henri Guénaud a dit pas question que Nicolas Sarkozy se soumette à une primaire s'il décidait de revenir. Euh, vous êtes d'accord Si Nicolas Sarkozy revient, le, le processus de primaire, il devient caduque à l'UMP Par oui pense, ou par non Je pense tout simplement que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce que les Français euh, attendent aujourd'hui de l'UMP, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire euh, de, de présenter un projet, ce que nous avons fait il y a exactement une semaine pour. Euh, 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 sur le plan économique, plus de liberté Donc économique. C'est pas le sujet aujourd'hui, les primaire. Bien sûr que non. Pourtant, nous, semble penser que oui. Et est il est, est assez clair là-dessus. Mais d'ailleurs, où est le drame C'est pas le problème. Le, le problème n'est pas de une ça. Question, mais m m vous me posez ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui s'angoisse pour savoir quelle sera euh, la, le, 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 la situation de la primaire à l'UMP en 2017. Le, le seul le sujet aujourd'hui. la primaire. Oui. Enfin, le sujet de 2014, c'est. Euh, euh, quelles sont les propositions de l'UMP pour les Français Or, elles repose sur trois idées simples un, la liberté économique deux, rétablir l'autorité de l'État, qui est ô combien défaillante et trois, remettre de l'égalité des chances, de l'égalité des droits et des devoirs dans un pays qui a absolument besoin aujourd'hui d'un message. Merci Jean-François Copé d'être venu ce matin sur Europe.